Oh, punaise. Ouais, bah je pense que ça va être ma dernière ou avant-dernière, mais je vais pas traîner moi après. La fatigue, elle est là. Qu'est-ce que t'as toi encore là? Allez, bosse un peu, Hermione Granger. Allez, Dios, ça! Mais Dios, ça! Comment ça se fait qu'il a pas de radius? Bah, répa, il faudrait que le gène soit bien avancé, hein. On vient de commencer la partie. C'est sa perque à lui, on s'appelle Faveur de sang. C'est le meilleur totem de cette map, hein, celui que j'ai mis en boule. C'est ça. Et il prend toute une grosse surface de la map. C'est le meilleur. Le meilleur. Ah. Des violeurs. Bonjour. Je fais pour pas de tabac là. Ah, faut que je me refasse, mais faut que je me refasse non je me faut que je me refasse reflet d'acide, faut que je me refasse plein des sagas MP3 comme ça. La dragonne aux cheveux noirs de jeu. Écoute, je ne veux pas arriver au jeu de presque fini. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, mais voilà, avec tes cheveux, on voit plus rien. Hein. T'as des cheveux buissonneux, j'aime beaucoup les cheveux bouclés comme ça, mais ça se fond bien dans la masse. Qu'est-ce qu'elle a, Hermione Granger, encore là, avec son chapeau? Bonjour. Allez, oust. Il est sur moi. Que je ne pouvais pas baisser parce que j'étais tapé. Non, tu pourras pas la baisser, tu pourras pas la baisser, ça sert à rien quoi. Faudrait trouver si possible son foutu totem. Ce serait bien, je trouve. Il arrive sur toi. Non, il passe sur toi-même. J'aurais pas que je sache. Les buissons sont nos alliés. Deuxième de feu. En gros, quand il frappe quelqu'un, et ben dans un rayon de 28 mètres autour de ce quelqu'un, toutes les palettes sont bloquées. Et il revient. Et Zina, il a un add-on qui permet de ne pas faire de bruit quand il a enrué ce gros con. C'est pour ça que je l'ai pas entendu nous rusher dessus la première fois. Et c'est pour ça qu'il a pas fait de bruit là non plus.
Ben, il a ça et il a composé 21. Quand il est en mode rebond comme ça, dès qu'il rebondit contre un mur, il voit tout le monde autour de lui à 8 mètres. Toutes les oreilles, il les voit autour de lui à 8 mètres. Oui, mais il arrive. Il a réparateur. Vous êtes tous sortis là? Des buissons? C'est quoi cette team de bras cassés que j'ai avec vos buissons là? Je les ai tous vus sortir! Little, je te jure! Ils ont. Je vais. Tu, toi. Hein. Alors là, tu. Tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu. Je t'ai vu. De mes yeux vus. Eh, hey, Little, t'es parti avec le tueur. Au moment où je dis à réparateur, je les vois tous sortir de nulle part, là, tels des ninjas. Je te vois, Little. Tu n'es pas si bien caché. J'aurais fini. Non, mais qu'est-ce que ça fait? Mais. Il est plus sur moi, les enfants, attention. Mais ouais, il est nul, hein. Et Claudette, faut pas qu'elle fasse de bêtises parce qu'elle est P3, elle, hein. Il a pété mon totem fumier de fumisterie! Comment je me soigne moi maintenant? Non, je vais remettre mon totem, il va se faire voir! Non mais où ils seront pour qui? Touche-toi mes totems toi! Parce que je touche à ton totem moi! Parce que je sais pas où il est, mais voilà quoi! Non mais oh! Voilà, je vais finir me soigner, moi. Voilà. Ah, bon bah rip, Claudette. Très content de t'avoir si peu connu. Après, genre. Oui, c'est un thème de feu. Après, c'est pas non plus. Moi, pendant que vous cherchez des totems, moi, je vais faire un générateur. Il est sur moi, là. Eh ben non! Allô maman, bobo, comment t'as fait ce black? Il est pas beau?
Allô maman, bébé. Eh ben non, voilà et tout. Eh ben non, hein, bah et tout. Eh ben non, hein, bah et tout. Non, un seul totem au bimine. Oh, pas mal, mais non, en fait, bah et tout. Eh ben non, bah et tout, c'était une feinte. Ah. Eh ben non! Oh le pauvre ce que j'y vais! Très moche! C'est très très moche ce que j'y vais! Ok, je fais ce que je peux! Je crois qu'il va me détester, bah et tout. Ah oui, il y a moyen avec ce que j'y mets depuis tout à l'heure. Mais il se prend tout! Je te jure, il se prend tout, ma little! C'est vraiment. Il est plus sur moi. Ah bah là, oui, on peut le dire. Et pourtant, je suis fatigué. Je suis très fatigué pourtant. Allez. Allez, Claudette, je crois en toi. Tu peux abaisser ce levier. Tu peux l'abaisser. Regarde, je te cure l'oreille avec le doigt. Regarde, allez, je te cure l'oreille avec le doigt. Là, j'arrive pas à viser correctement. Voilà, là, je te cure l'oreille avec le doigt. Allez. Oui, c'est ce que je veux faire. Elle a peur. Ah oui, là, elle était bête. Il take, il take, il take. Non, il continue, il continue. N'aille plus, n'aille plus, n'aille plus. Vas-y. Mais faut qu'elle avance à un moment donné, Clo-Clo aussi. Ben non, faut qu'elle avance en fait. C'est quand on arrête de la heal, faut qu'elle avance. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tente? Oui, ben t'as pas vu tout à l'heure. Ah mais elle est P2. Elle est P2, enfin elle est P3 maintenant, elle est mourue. Elle est mourue de décès. Ah. Ben oui, j'ai ben oui en fait. On sait pas nous qui sommes censés être fatigués là ce soir. Ouais, oh là là. Oui, je vais m'arrêter là aussi parce que c'était catastrophique cette game. Il n'y avait aucun sens. Ah là là. C'est ça. Quand. En fait. Iltek, en gros, il, comme enfin, H-E-A-L, tech, T-E-C-H, tech comme technique. Et en gros, tu soignes quelqu'un au sol, du coup, la personne ne peut plus bouger, mais le tueur, il est obligé de frapper la personne qui soigne pour pouvoir ramasser. Du coup, pendant le cooldown, la personne continue à avancer. Et là, tu as quelqu'un qui prend le relais. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'à chaque cooldown, la personne avance. Voilà. Là, oui, là, elle avançait pas du tout, même je crois, à un moment donné. Aïe, aïe, aïe.